Tu sais, tu rentres dans un gaz avec ta mère. Et puis là, tu me demandes de mon gâteau. Tu es un enfant, qu'est-ce que tu fais? Tu réclames, quoi. Maman, s'il te plaît, je veux les bonbons, maman, je veux les gâteaux, maman, s'il te plaît, maman, je veux les bonbons, maman, je veux les gâteaux, maman, s'il te plaît, maman, donne-moi les bonbons, maman, donne-moi les gâteaux, maman, s'il te plaît, maman, papa, quelle maman, papa, quelle gâteau, maman, s'il te plaît, maman, maman, s'il te plaît, maman. Non, je te dis. Maman, s'il te plaît, si tu commences à pleurer, la rime cacouille, oui, cacouille, tout ça. Maman, s'il te plaît, non, je te dis. Et puis tu sais très bien que là, la maison, il y a déjà tout dans le placard, alors ne me fais pas chier. Et toi, t'es l'imbécile que tu es, tu réponds fort dans le magasin des gens. Non, maman, avant de partir, j'ai regardé, il n'y a rien dans le placard. Mon ami, tu viens de signer ton arrêt de mort, tu viens de signer ton arrêt de mort. Mais, dites-moi, vous faites quoi, vous, si ça vous arrive, des trucs comme ça dans le magasin? Vous tapez, dire tout de suite. Non? Mes amis, moi je vous dis quelque chose. Ma maman avait deux signes qu'il fallait éviter. Maman rigole toujours. Deux signes qu'il fallait éviter. Mais regarde. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, quand j'ai dit, maman, c'est maman, le placard est vide. Et puis, j'ai regardé, il n'y avait que des miettes. Deuxième. Donc, moi, je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle dit dans sa tête? Maintenant que j'ai des filles, je sais. Le premier. Toi, tu me fais honte dans les magasins. Le deuxième. On va rentrer, mais qu'est-ce que tu vas prendre de moi?